Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de NanoLabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer une autre erreur qui est assez courante sur la M365. Donc quand vous l'allumez, là ce qui se passe, ça va vous marquer erreur 15. Donc sur la M365 Pro, le 15 s'affiche sur l'afficheur. Sur la M365 normale, vous devez compter les bips. Vous avez un bip long et 5 bips courts. Donc ça signifie à 15. Donc l'erreur 15, généralement, est due à la poignée de frein. Donc la poignée de frein qui freine tout le temps. Donc moi, je l'ai simulé donc en la bloquant. Donc si votre poignée de frein, vous êtes tombé, elle a eu un coup, tout ça, il se peut qu'elle force et qu'elle bloque. Donc si je débloque, ça me supprime la panne. Et en fait, généralement, c'est quand votre poignée de frein ou le capteur, ça peut venir du capteur, s'enclenche, et ben elle freine tout le temps. Et donc, au démarrage, elle va vous contrôler une panne, une erreur. Votre trottinette n'a pas freiné tout le temps, donc j'avais pas assez appuyé. Donc au démarrage, elle va vous afficher erreur 15. Donc l'erreur 15 est due à votre capteur de frein qui est à l'intérieur ou votre poignée de frein qui retourne mal en arrière ou qui a pris un coup, qui force et qui reste enclenché. Voilà pour l'erreur 15. Donc je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un pouce bleu. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de NanoLabo.